Les gars, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai débloqué une nouvelle addiction. Tous les vrais golems qui ont regardé la vidéo hier, vous le savez, j'ai retenté de faire des vagues d'exopéra. Oui, alors c'est vrai que vous êtes sur la chaîne de l'œil d'Ophus, donc il y avait évidemment pas beaucoup de marge. C'est-à-dire que je dois être le seul pélo sur Terre qui lance un objectif 100 millions de kama et qui fait que des choses qui peuvent le ruiner à chaque fois. Donc vous voyez les gars, après ces 40 échecs, je ne pouvais que mal dormir. Je pouvais pas tranquillement aller me pioter tout en sachant que ça faisait plus de 4 ans que j'avais pas vu une ligne d'exopéra pop. Dégénéré, déficient mental ou cassos de première, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai décidé de m'acharner. Et en plus, les gars, regardez la date à laquelle on est aujourd'hui, on est le vendredi 13 septembre. Bon, les gars, vous avez compris, comme à chaque fois, j'ai persévéré dans mon erreur. Mais petite info, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir s'il n'y a pas une petite surprise. Je vous la fais rapidement, mais mon plus grand rêve, même avant d'avoir des enfants, les gars, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Et si tu regardes bien, j'en suis encore loin, mais ça peut avancer un peu plus vite si tu t'y mets. Et tu vois, j'ai pas envie de me mettre en colère, tous ceux qui l'ont fait, on les a jamais revus. Alors t'as juste à liker et à mettre un commentaire. Bon, aujourd'hui, je vous mets pas l'intro. Bon, en fait, si. Les gars, on est vendredi 13, il est minuit 47, je suis en slibard dans ma chambre, j'ai pas de race, j'ai pas de vie. Qu'est-ce que je fous sur Dofus à cette heure-là? Regardez la preuve ici même, précédente connexion à minuit 45. Vendredi 13, ça veut dire chance ou malchance pour ceux qui y croient. En tout cas, moi j'avoue, j'y croirais pas tant que je verrais pas une petite rune GPM se glisser dans ma... sous un item, les gars. Je suis ravagé, ok? Qu'on se le dise, là ça y est, je suis imprégné de cette douleur que c'est de monter les items et de ne voir absolument aucune rune passer dessus. Donc maintenant, oula, alors pas toi, maintenant c'est terminé, je veux du PM. Je veux du PM, j'arrêterai pas, ok? J'arrêterai pas tant que j'aurai pas un PM, ça c'est clair et net, maintenant c'est décidé. Je veux mon PM, les gars. Donnez-moi un exo juste pour revoir, pour ressentir ce que ça fait. Ah, ok. Ah, on est déjà sur la fin. Ok, bon, bah celui-là, de toute façon, c'était le pire. Donc, du coup, ça, c'était ma cinquième vague. Donc, on est déjà sur 50 tentatives sans aucun exo. Les gars, je vais me ruiner s'il faut, mais je veux voir cette ligne de PM. Ok, bon, les gars, on va pouvoir continuer. J'ai refait un peu mon stock de runes, étant donné que j'ai eu un brisage rentable. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Malheureusement, j'ai essayé de le briser. Le coefficient s'est considérablement dégradé. Il est 1h24, les gars. Je suis encore dessus. Je suis complètement matrixé du cerveau. On est sur la sixième vague. Donc là, les gars, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol de tricoter de l'anneau et de ne rien avoir. Donc là, il y a quelques beaux jets que j'ai pu faire. Donc ça, vous le verrez. Je vais vous les montrer, en tout cas, lorsque ce sera le cas. Ici, par exemple, on a quand même un anneau pas de greffe relativement joli. Toutes les lignes de dommages, bon, les lignes de résistance fixe, on s'en fout un peu. Pas trop mauvais jet ici, il y a juste la sagesse où je m'en fiche un petit peu. Et on a cette alliance Glorson qui est vraiment belle quand même, il faut le dire. Sauf l'initiative et le tacle. Enfin, pour moi, c'est beau, mais peut-être que pour vous, ça sera hideux. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était pas trop mal. Ok, bon... tranquillement, on s'énerve pas, de toute façon ça sert à rien, hein, voilà. L'anneau possédé ici, hop. Oh non, oh, dès que ça bug les gars, c'est un faux espoir de malade. Ah oui, c'est vrai qu'on a ce beau pilostère aussi, 10 haul, 50 puissance. Ça c'est vraiment dommage les gars, ça m'aurait mis bien. Donc on est sur 60 tentatives sans aucun exo. Tristesse absolue démoniaque. Bon, les gars, on est toujours le 13 septembre, le vendredi 13 particulièrement. Il est 11h, ok? J'ai remonté enfin, les gars, j'ai pas mis 10 heures à remonter ma run depuis, hein, mais j'ai remonté mes items et on va partir tout simplement pour la 7ème try, 7ème vague depuis le tout début, depuis hier où j'ai lancé ça. Donc, en espérant que ça passe, très honnêtement, c'est la dernière tenta pour la Norris, je pense. Ou alors, parce qu'en fait, j'ai la flemme de mettre les esquives PA, je sais pas pourquoi cet item me saoule. Donc, ouais, vraiment, les gars, je commence à devenir difficile, mais bon, c'est pas grave. On est parti, hop, petite tentative. Et puis, bah, maintenant, on va enchaîner, hein. J'ai fait des jets qui sont toujours à peu près corrects. Il y en a certains qui sont plus jolis que d'autres, quand même. Hein. Par exemple, ici, ce pas de greffe est quand même extrêmement mignon, hein, les gars.
je me suis pas foutu de vous, j'ai quand même fait quelques beaux jets. Évidemment, ça passe pas de toute façon, mais il y a des choses qui sont pas forcément dégueu non plus. Bon, je me suis pas appliqué sur tous, mais il y a quand même de quoi faire, donc ça c'est pareil, l'anneau brousse, je me casse la tête à le faire, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hop, ah, peut-être qu'on peut avoir une deuxième tenta. Yes, allez, super. Il reste un petit volcorn. Les gars, je suis désolé si j'ai perdu un peu d'entrain. Je commence à être dépassé par ma propre fierté. Sachez que les gars, je suis beaucoup trop... Le truc, c'est que je suis beaucoup trop têtu pour Dofus. C'est-à-dire que là, je me suis dit, je vais passer un exo. Bah, même si j'arrive à 0 Kama, je vais le faire. Tout ça parce que je suis têtu dans la vie. Je suis têtu, je suis juste un gros débile. Bon, bah les gars, on part pour la 8ème vague, tout simplement. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà fait plus de 70 tentatives. J'ai remonté une nouvelle fois ma vague. Et on espère toujours voir enfin ce PM pop juste en bas d'un item. Histoire de voir tout simplement ce que ça fait. Et de se débarrasser de cette envie irrépressible de voir un exo PM qui commence à être, je l'avoue, extrêmement frustrante. L'anneau possédé, c'est ce qui pourrait me faire du bien. J'avoue que ça m'aurait mis Gucci. Attends, les gars, je parle, ça fait 40 secondes. 40 secondes, j'ai déjà liquidé toutes mes tentatives. À chaque fois, je suis surpris. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, en tout cas, sur Dofus. Donc, on est à 80 tries et il n'y a toujours aucun exo. Mais je ne lâcherai pas, les gars, je vais tomber à zéro s'il le faut, je le redis. Ok, les gars, c'est bon, là, il est 11h55, j'ai repris du poil de la bête. Je recommence à y croire et je reprends un peu de plaisir, mine de rien, à FM. Ça passe mieux qu'au tout début. Par contre, je vais pas vous mentir, là, ça va être la 8ème vague, je crois. Si on arrive à 100 tentatives sans aucun exo, je pense que je vais avoir l'entrée des ténèbres en chou-fleur, si vous voyez ce que je vais dire. Ça va commencer à être assez complexe. Donc, maintenant, ce que je veux sur cette vague, c'est... Sur cette fac, je commence à délirer, mais c'est pas grave. Je veux l'exo PM. Là, je veux le voir pop dans ma ligne, ici, en dessous. Allez, on y croit, on enchaîne, on dit rien du tout. Enfin, je... Il est pas FM, lui, pardon. Ok, on enchaîne. Allez, imaginez, ça se trouve, c'était la bonne. Mais bon, j'ai gaspillé ma tentative. Hop là, voilà. Le possédé, on le veut. Yes, I. Ici, le pilot. Le volcorn. Non. Oh non. Oh non, les gars! Oh non, c'est déjà fini! Bon, bah... Continue, hein. Bon, les gars, on est sur la... Mon perso, il bug tellement il est chargé. On est sur la 9 ou 10e vague. En vérité, je sais plus, les gars. J'ai un peu lâché le compte. Il est midi 11. Voilà, je vais vous donner l'heure à chaque fois, histoire que vous vous rendiez un peu compte. Et on est reparti. On est reparti encore et toujours dans la quête infinie de voir un exo PM pop. Là, j'avoue, en seulement... Quel... Non. Oh, il est passé sur un item magnifique, les gars. J'allais dire en seulement quelques minutes, j'y crois plus. Ah, c'est bon, les gars. En plus, c'est tombé sur un gel. Ouh, la sagesse. Oh, j'avais pas vu la sagesse, mais je m'en... tamponne le puits des enfers, les gars. On a un exo PM. En vrai, le jet est sale. J'aime bien. C'est une des meilleures tries que j'ai eues. Franchement, oh les gars, je savoure. Je vais enfin pouvoir arrêter et vous proposer. En plus, c'est aussi ce que je voulais. Je voulais pas vous remettre une vidéo où j'ai pas d'exo. Ah oui, mais quel bonheur, les gars. Mais quel bonheur. J'ai même 4 de tacle. D'habitude, je le mets même pas. Ah oui, on a les 12 d'eau, on a un bon jet, on a véritablement un bon jet, j'imagine que la sagesse, on s'en fout, et pitié, j'espère que c'est le cas, parce que j'en ai aucune idée. Je vais quand même finir la vague, parce que, voilà, je me suis lancé, je me suis cassé la tête à les monter, bon, voilà, j'en espère pas grand-chose véritablement, hein, mais bon,
J'ai quand même fait la vague, donc je me devais de terminer. Je bégaye tellement je suis content, les gars, cette petite ligne ici, elle est somptueuse, les gars. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller checker le prix en HDV. Ah, je suis tellement content, j'ai l'impression d'être libéré d'un poids, les gars. Franchement, c'est même pire que mes 5 années d'études. Voilà, j'en sors même pas autant soulagé que ça. Donc ici, on va pouvoir constater le prix. Alors déjà, j'espère que ça chiffre, hein, parce qu'il y a un monde où honnêtement, ça vaut pas grand chose. Donc là, on est sur un exo-PM. Nous, on a les 12 dommages déjà. On a de l'initiative, donc déjà, celui-là, on le balaye. Voilà, on va pas se mentir, celui-là, on le balaye également. Je regarde quand même les prix autour. Hop. Ici, non. Déjà, nous, c'est du 12 dommages. Donc là, on a un 12 dommages. Alors, c'est un exo-PA. Il manque un peu de vitalité, un peu de chance. Après, lui, il a la sagesse. Donc, moi, je peux pas non plus forcer le trait au maximum du maximum. Il n'y a pas d'exo-PM. Il n'y a pas d'exo-PM dans ces prix-là. Bon. Ici, on est sur un jet qui se rapproche un peu plus du nôtre. Après, il a 14M. Je le mettrais bien à 12,5 millions en vrai. 12,5 millions, ça me semble largement correct pour le travail fourni, l'effort produit et surtout pour ma santé mentale, les gars. Je suis un peu déçu de ne pas avoir mis la sagesse, mais en même temps, le jet à côté est quand même relativement propre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres 12 de haul ici. Et surtout, ce sera le premier exo-PM en 12 dommages de l'HDV. Donc, si vous êtes sur Orocam, que vous êtes intéressé et que vous voulez faire un petit geste, bah écoutez, les gars, il n'y a aucun souci. Moi, je vais le placer à 12M5. Ça fait mal, par contre, au niveau de la taxe de mise en vente, mais rien à foutre, je suis content. Tu fais approximativement 5M de bénéf, ça ne me choque pas en vrai. Finalement, tous les gars là qu'on dit... T'es en train de ruiner ton patrimoine pour une vidéo? Bah non les gars, c'est du bénéf et c'est pour mon plus grand plaisir. Donc au final, ce n'aura pas été inutile. Et ça, c'est excellent les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, du coup, je vais dire que ça me fait plaisir. En vrai, j'ai envie de continuer. C'est beaucoup trop grave les gars, j'ai envie de continuer. Mais pas sur une vague comme ça. Par exemple, l'anneau possédé, j'aimerais bien continuer à le faire. Je pense qu'il peut y avoir une belle marge si je fais un bel effet, mais je vais réfléchir. Je vais déjà remonter ça, remettre en vente tranquillement, essayer de faire des beaux petits effets là-dessus, maintenant que j'ai un petit peu de runes de côté. Je vais essayer de me faire plaisir comme ça. Il risque d'y avoir moins de vidéos, il y en aura toujours, mais un peu moins, puisque voilà, j'ai une vie aussi dans la vraie vie, IRL, où je vais travailler. Voilà, le monde chiant. Mais bon, c'est normal. Donc voilà, il y aura encore des vidéos, mais il y en aura un peu moins. Et parce que moi, je prends énormément de plaisir à le faire, donc j'ai aucun souci à passer du temps après le travail à faire ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup du soutien que vous m'apportez tous les jours. La chaîne progresse quand même assez vite. Donc moi, c'est pour mon plus grand plaisir. J'essaie d'être honnête et transparent avec vous. Allez les gars, sortez les violons, ça va chialer en masse. Des merci pour vos retours les gars, ça me fait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis sûrement à ce week-end. Et si t'es resté jusque là dans la vidéo, commente boulgour, comme ça je saurai que t'es un vrai.